Mais d'abord, avant de développer ce titre, le Premier ministre a échangé cet après-midi avec le chef de la mission Afrique du FMI. Ils ont discuté du développement, mais aussi des appuis de l'institution de Bretton Woods au projet majeur du Burkina. Maïmouna Traoré. C'est une prise de contact avec le Premier ministre Paul Kaba Tiéba. Pour mieux accomplir sa mission, la nouvelle chef de mission du Fonds monétaire international pour le Burkina Faso a besoin d'informations sur la situation économique du pays et les projets de développement déjà engagés. Il est très utile et très important pour rencontrer avec Monsieur le Premier ministre pour bien comprendre la situation économique et pour préparer aussi pour notre prochaine visite dans le contexte de la revue sur le programme du FMI. Le Burkina a déjà est encore sous un programme avec le FMI. Et maintenant, nous sommes en train de discuter comment nous allons continuer les liens entre le FMI et le pays. Le chef du département Afrique du FMI a échangé avec le chef du gouvernement sur les missions du Centre régional d'assistance du FMI pour l'Afrique de l'Ouest et ses projets pour le Burkina Faso. And these are mainly in the areas of... intérieur, qu'il s'agisse de recettes fiscales, de recettes douanières. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration des finances publiques pour atteindre justement tous ces objectifs et également d'améliorer le domaine des statistiques qui, étant de bonne qualité, contribueront à améliorer la performance. Le chef du département Afrique du FMI participe à la réunion du comité d'organisation d'Afrique Tact Ouest qui a ouvert ses portes ce matin à Ouagadougou.